Bonjour les gourmands, bonjour à tous. Alors j'espère que vous allez tous bien. Donc cette semaine, on va se faire une petite paella. On va pas se faire un petit gâteau. Je vous ai préparé une petite paella en vidéo. Donc vous verrez sur la vidéo, il y a eu un petit problème d'enregistrement, mais c'est pas grave, on arrive très bien à comprendre le tout. Je vous ai mis tout le principal. Allez, on voit tout ça en vidéo. Les ingrédients pour la paella: 600 g de riz, 2 poivrons, 2 oignons, un demi chorizo, une cuillère à soupe d'épices spéciales paella, du curcumin, du curry et du poivre, des pignons de poulet pour 10 personnes, 600 g de moules et à peu près 500 g de crevettes et 300 g de petits pois. Désolé du petit problème d'enregistrement de la vidéo. Donc au départ, vous devez graisser votre poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Vous ajoutez ensuite le riz, 1 litre d'eau et quelques épices. N'hésitez pas à bien mélanger le tout. On vient rajouter les poivrons découpés en petits morceaux. On vient ajouter les oignons. Là, on mélange. Donc n'hésitez pas à bien mélanger environ toutes les 5 minutes. Si ça manque d'eau, vous rajoutez un demi-litre d'eau et vous laissez mijoter tranquillement. On vient rajouter les chorizos. Donc là, encore un petit problème de vidéo. On vient ajouter les petits pois. Là, on va recadrer un petit peu l'image. Voilà. À ce stade, on laisse tranquillement la paella cuire. N'hésitez pas, bien sûr, à bien mélanger. Je rajoute un peu de curcumin. Alors ça, c'est par rapport à votre goût. Là, si vous voyez que ça commence à coller un petit peu, on vient rajouter encore un peu d'eau. Et là, vous pouvez ajouter les crevettes. Je viens ajouter les moules par-dessus mes petites crevettes. Là, je mélange un petit peu. J'ajoute le restant des moules. On remélange tout doucement. Si ça manque un peu d'eau, on vient rajouter un petit peu d'eau pour la fin de cuisson. Surveillez bien le riz, qu'il soit bien gonflé, qu'il soit pas croquant. Continuez à bien mélanger jusqu'à l'ouverture des moules et votre plat sera prêt. Vous n'aurez plus qu'à le déguster avec les petits pignons de poulet. Et bien voilà, notre petite paella est terminée. Vous avez vu, c'est pas trop compliqué à faire. Bon, ça prend un peu de temps, mais il reste plus qu'à la déguster. Donc moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à cliquer sur le petit logo. Allez, je vous dis bonne semaine à tous. Salut, salut!